chanter avec moi. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Même la mort n'a pas pu le retenir. Il a brisé la maladie, brisé, à la croix de Golgotha, brisé. Il a brisé l'échec, brisé, à la croix de Golgotha, brisé. Il a brisé la sorcellerie, brisé, à la croix de Golgotha, brisé. Il a brisé la maladie, brisé, à la croix de Golgotha, brisé. Il a brisé, 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 brisé. Il a brisé, 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 brisé. Il a brisé, 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 brisé. Il a brisé, 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 brisé. Amen, amen, amen. Bonne grâce. On sent que vous êtes très belle. Bonne bénédiction. Amen. On doit continuer notre programme. On acclame quand même le Seigneur ce temps de louange. Nous allons accueillir toute notre responsable, tout simplement ma responsable, la responsable du département enfants d'honneur pour une présentation de notre département. Donc s'il vous plaît, sous vos acclamations, ma responsable, Madame Bono Michel. Alléluia! Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans la salle? Est-ce qu'on a des conquérants quelque part? Il y a des champions? Il y a des héros? Les héros! Est-ce qu'il y a des héros dans la salle? Et les élites sont-ils là? Amen. Ok, que le Seigneur soit béni. Je suis Madame Bodo Michel, la responsable du département enfants d'honneur. C'est une joie pour nous de vous accueillir ce matin, chers parents, chers invités, chers pasteurs. Nous voulons rendre gloire au Seigneur Jésus pour la vie de notre père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, et de son épouse, qui nous permet d'être là et qui nous accompagne tous les jours dans les activités du département. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia! Alors, le département enfants d'honneur a pour vision de faire des enfants des disciples de Christ en leur inculquant les valeurs du royaume afin qu'ils impactent la génération. C'est là notre vision. Et nous nous sommes donné comme mission par rapport à cette vision d'enseigner la parole de Dieu aux enfants. Et c'est ce que nous essayons de faire tous les dimanches quand vous les déposez à la Villa Kodesh ou à l'annexe. C'est l'une de nos missions. Nous essayons aussi de développer en eux les potentiels que l'Éternel a mis, que l'Éternel leur a donné, les aider à développer ces potentiels, ces qualités. Et pour cela, nous avons mis en place une école éveil des talents où les enfants apprennent vraiment à développer ce qu'ils ont déjà ou à découvrir les talents qu'ils ont en eux à travers la musique, la danse et pas mal d'autres activités. Nous avons aussi mis en place le groupe de louanges qui permet aux enfants aussi de pouvoir vraiment voilà, montrer leurs talents dans la louange, dans l'adoration. Amen. Voilà, c'est une mission. Nous avons aussi la mission de vous accompagner, chers parents, dans l'éducation spirituelle de vos enfants. C'est très important que vous puissiez nous appuyer dans cette vision. Il faut que nous soyons partenaires, chers parents. Je veux vraiment vous exhorter à vous impliquer vraiment dans l'éducation spirituelle des enfants. Nous ne passons que 2 heures avec eux les dimanches et toute la semaine, ils sont avec vous. Vraiment, il faut que vous fassiez le suivi. Il faut que vous les aidiez à relever les challenges auxquels ils sont confrontés, surtout les ados. Alléluia! Est-ce que je peux compter sur vous, les parents? Amen. Ok.
Ok, donc aujourd'hui, nous sommes à la cérémonie de remise de diplôme, et particulièrement la graduation de nos élèves élites qui nous quittent pour partir à Bloom. C'est vraiment une fierté pour nous parce que certains sont avec nous depuis le bas âge. Nous accueillons les enfants de 3 à 14 ans. Donc ces enfants sont pour la plupart là depuis 3 ans. D'autres sont arrivés en cours à 10 ans, à 11 ans, même cette année. Mais vraiment, aujourd'hui, nous sommes dans la joie de les laisser partir parce que nous savons que nous avons planté quelque chose en eux qui va mûrir au ministère Bloom. Alléluia! Les élites, est-ce que c'est vrai ce que je dis? On peut compter sur vous pour continuer à briller. Alléluia! Vraiment, nous sommes vraiment très heureux pour cette cérémonie-là. Et nous avons aussi nos élèves qui changent de niveau, c'est-à-dire ceux qui quittent la section vainqueur et qui passent à conquérant, ceux qui quittent conquérant pour passer à champion, et ceux qui quittent la section champion pour passer à héros qui sont présents. Est-ce qu'ils peuvent faire du bruit? Voilà. Ces élèves changent de niveau. Ils ont suivi aussi une formation les dimanches avec les activités que nous faisons. Nous sommes aussi heureux de les encourager à continuer avec nous jusqu'à la section élite afin qu'ils soient gradués pour passer au ministère Bloom. Et pour cela, nous comptons encore sur votre collaboration, chers parents. Alléluia! Nous avons pas mal de choses à vous présenter. Je ne vais pas monopoliser la parole. Vous aurez l'occasion de voir ce que les enfants ont appris à l'école Éveil des Talents juste en quelques mois. C'est vraiment étonnant ce que le Seigneur fait avec ces enfants qui sont talentueux. Nous aurons aussi l'occasion de voir ce que le groupe de louange aussi a pu apprendre, et tout cela en moins de un an. Amen, amen. Je vous souhaite vraiment de passer une très belle cérémonie et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons accueillir notre école. Bon, il faut savoir qu'au sein de l'école du dimanche, nous avons une école qui est dénommée l'école Éveil des Talents. Donc, c'est une école composée d'instrumentistes, tous les instruments, dirigé par des enfants, de chantres, tout ça. Et je ne vais pas trop parler, je vais les laisser prendre toute la place. Donc, est-ce que Éveil des Talents est prêt? Est-ce que Éveil des Talents est prêt? D'accord, vous pouvez prendre, venez. On acclame le Seigneur pour eux, c'est leur première scène. C'est leur première scène, donc ce n'est pas facile. Caché en toi.
Je te laisse les présenter, Sénat. Moi, j'ai leur nom. Donc, bon, la caméra n'a pas pu aller derrière, mais c'était vraiment très, très beau à voir. Donc, qui est à la batterie? C'était Hakim. Hakim, avance. Hakim, salue le monde. Salut tout le monde. Hakim et Caleb. Caleb, salut. Emmanuel. Hakim et Emmanuel étaient à la batterie tout à l'heure. Et on avait à la guitare Chanel. Chanel, joue-nous quelque chose. On avait à la guitare Chanel. Et on avait au piano Nathan. Nathan et Caleb. Et notre chante Ashley. Ce sont des heures de répétition quand même. Ça fait combien de temps qu'ils répètent? Ça fait 3 mois qu'ils ont commencé les cours. Donc franchement, on est fiers d'eux. Et on va vous présenter leur maître. Voilà. Coach Sylvain. Le coach Sylvain, on attend le Seigneur pour lui. Et derrière tout ce travail-là, chaque samedi, on a Moni Cynthia, qui est la responsable adjointe du département, qui est là tous les samedis et les mercredis. Franchement, quand même, le Seigneur pour ma respo, elle fait un travail énorme. Amen, amen. On salue votre public. Vous n'avez pas compris la salutation. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Allez-y vous rasseoir. Merci beaucoup. Et sans transition, il n'y a pas que Éveil des talents. D'accord. On va appeler le groupe de louanges de l'école du dimanche. Je les laisse installer. Venez, le groupe de louanges de Héros 2. Thank you.
Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toute circonstance. Apprends à te
Saluer tout le monde. Ils sont là à chaque fois pour les encadrer, pour les répétitions. Et avec aussi coach Vanessa, Moni Vanessa, qui est toujours là aussi pour eux. On acclame le Seigneur pour leur vie. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour ces enfants. Amen. Donc, on salue le peuple pour Viva. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je ne les présenterai pas, vous allez le découvrir de vous-même. Ils sont tout beaux ce matin, ils sont tout beaux. Vous pouvez venir, hein. Prenez toute la place. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons un orchestre symphonique au sein de l'école du dimanche. Installez-vous les enfants. Vous avez besoin de quelqu'un pour aider pour les micros. Acclamez le Seigneur pour eux, c'est leur première scène aussi. Thank you.
allez vous tourner quand même vers le peuple. J'imagine comment cela dit. Est-ce que vous pouvez présenter les instruments? Parce que nous, on ne les connaît pas. Bonjour, chers parents et chers amis. Vous avez ici le violon. Soulevez le violon. Très bien. Il va vous jouer une corde. Je joue la corde mi. Il a le violon. On y va avec toi. Très bien. On va avec la corde mi. Très bien. Et là, vous avez le violon dans la famille des instruments à cordes. Après, vous avez le violoncelle. Tu vas jouer la corde de ré. Encore. Très bien. À la différence, vous voyez que le violoncelle est plus gros que le violon. Et c'est un peu le grand frère du violon. Après, vous avez un autre instrument qui n'est pas là, qu'on appelle la contrebasse. Cet ensemble forme un orchestre symphonique. Pourquoi un orchestre symphonique? On a trouvé que le besoin était nécessaire, qu'il fallait le faire. Du coup, on a essayé d'initier cela à l'écodime et on a besoin de certains enfants pour pouvoir compléter l'effectif. Donc, elle, vous avez le chef d'orchestre. Elle s'appelle Nemali Johnson, Nemali. Elle est chef d'orchestre. Au préalable, elle est chef d'orchestre et violoncelliste. C'est-à-dire qu'elle est chef d'orchestre et en même temps, elle joue au violoncelle. Donc, ça fait deux instruments dont elle joue. Et là, vous avez la petite violoniste qui s'appelle Noémie. Donc, voilà notre mini-orchestre. On a essayé d'arranger une petite composition pour que vous puissiez voir, puisqu'il n'y avait pas de composition classique au thème de l'église, on a essayé d'arranger quelque chose pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble un orchestre symphonique. Donc le projet à long terme, c'est que ces enfants deviennent des virtuoses pour composer un orchestre symphonique. Amen. Amen. Donc comme le maître, c'est ça le maestro, l'a dit, l'école des violonistes est ouverte, le groupe symphonique est ouvert et nous vous attendons pour vos inscriptions. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez regagner vos places. Ensemble, juste cette partie-là, à ta maro. Bon, je pense, 1 sur 3, ici, sur la gauche, à ta maro. Bon, je pense que la gauche a gagné. Un bon pour la gauche. Alléluia. Nous allons recevoir ici, sur ce pupitre, c'est la maman qui a été la première responsable de l'école de dimanche des églises Vases d'honneur. C'est une pionnière, c'est une mère, elle est pasteur. Et pour l'ensemble des moniteurs, c'est vraiment un pilier. Allons ensemble nous lever et recevoir ici Pasteur Kwa Lonzine.
Alléluia. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à notre Seigneur Jésus? On va se tenir tous debout, on va clamer le Seigneur. Donnons toute la gloire au Seigneur. Dieu est bon. Quand on voit ce que Dieu est en train de faire dans la vie de nos enfants, on ne peut que l'acclamer, chers parents, chers enfants, acclamons le Seigneur. Dieu est bon. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Shalom, chers parents. Shalom à mes enfants qui sont présents. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alléluia. Je suis vraiment honoré de me tenir ici pour apporter juste un petit exhortation pour nous aider encore en ce qui concerne les enfants. Alléluia. Les enfants m'ont transformé. Oui. Je peux dire, si je peux me tenir ici, c'est grâce au ministère parmi les enfants. Amen. Parce qu'avec les enfants, j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup. Quand on observe les enfants, on peut tirer de ce qui est bon dans la vie de ses enfants. Amen. J'ai appris beaucoup, beaucoup avec les enfants. Les enfants m'ont impacté dans le ministère. Voici mes enfants qui sont là. Hier, on était ensemble. On a fait la veillée ensemble. Et vraiment, Dieu vraiment s'est glorifié dans leur vie. Alléluia. Et je voudrais vraiment bénir aussi la vie de mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, parce qu'il a cru à mon ministère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de pasteur Mohamed Sanogo? Alléluia. Et aussi, notre maman Lilian m'a beaucoup soutenue dans ce ministère, m'a beaucoup encouragée, elle m'a coachée. Vraiment, c'est grâce à son aide. On peut acclamer le Seigneur, vous n'acclamez pas bien. Acclamez bien. Oui. Ils m'ont beaucoup soutenue, ça, je vous le dis. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse, on va lire, j'ai pas assez de temps, on va lire. Proverbe chapitre 29, le verset 18. Proverbe chapitre 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. On va aussi lire Proverbe 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. Ça, c'est notre verset phare. Hein. Je peux réciter ça par cœur, je n'ai pas besoin de lire. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on puisse, on va parler juste un peu de la vision, voilà, dans le livre de Proverbes que nous venons de lire, Proverbe 29, le verset 18, il dit quand il n'y a pas de vision, le peuple est comment? Sans frein. Et je vais bénir le nom du Seigneur parce que à Vase d'honneur, nous avons une vision pour les enfants. Alléluia. Et c'est cette vision-là qui nous permet d'être là ce matin. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi de retrouver mes notes. Alléluia. Donc la vision... Donc, je vais parler un peu de la vision. Donc, la vision nous permet de savoir où est-ce qu'on va. Alléluia. La vision nous permet de savoir où on va. La vision aussi nous permet d'établir aussi les objectifs. Alléluia.
Et c'est ce que nous sommes en train de faire, ou c'est ce que nous faisons depuis plusieurs années avec les enfants de l'école du dimanche, selon les directives que le pasteur nous a données. Parce que nous ne voulons pas faire des enfants, juste les garder le temps que les parents finissent de faire le culte et venir les chercher. La vision que le pasteur nous a donnée, c'est de faire ces enfants-là des disciples. Amen. Un disciple, c'est celui qui fait ce que son maître fait. Alléluia. Et nous voyons toutes les prestations qui sont passées ici. C'est parce que nous avons une vision. Nous voulons faire ces enfants-là des futurs pasteurs, des futurs chantres. J'ai été vraiment touchée de voir tout à l'heure ces enfants en train de prester. Alléluia. C'est la future génération de l'église vase d'honneur que nous sommes en train de préparer. Alléluia. C'est l'église de aujourd'hui. Parce que les gens ont l'habitude de dire l'église de demain. Moi, je dis en tant que monitrice, à la base, ces enfants-là sont l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Et ils seront les adultes de demain. Alléluia. Parce qu'on forme déjà l'église. Et demain, ils seront des pasteurs, des chantres ici. Parce que nous qui sommes arrêtés là, peut-être dans 40 ans encore, peut-être qu'on ne pourra pas se tenir ici, mais ces enfants seront là. Alléluia. Il y aura des Moni Blandine qui vont se tenir ici pour parler aux parents. Alléluia. Alors donc, une vision nous permet de savoir où est-ce qu'on va. Alléluia. Et la vision aussi nous permet d'établir aussi des stratégies. Et à l'école du dimanche, nous avons des stratégies pour amener ces enfants-là à demeurer dans la parole du Seigneur. Alléluia. Et je vais profiter de l'occasion parce que c'est juste un encouragement, ce n'est pas une prédication. Je veux vraiment qu'on acclame le Seigneur pour la vie des moniteurs. Alléluia. Je veux qu'on acclame les parents. Acclamez le Seigneur pour ce que les moniteurs font à l'école du dimanche. Vous n'avez pas idée de ce qu'ils font parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils préparent les futurs pasteurs. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça la vision. Donc, à l'école du dimanche, nous avons des stratégies pour garder ces enfants-là dans la parole de Dieu. Alléluia. Dimanche après dimanche, les enfants sont amenés à être formés. Par moment, on pense qu'il y a des parents, lorsque les enfants déconnent un peu, il y a des parents qui viennent nous dire, mais les Moni, qu'est-ce que vous enseignez à nos enfants à l'école du dimanche? Chers parents, c'est la parole de Dieu qu'ils reçoivent dimanche après dimanche. Alléluia. Parce que nous avons une vision à vase d'honneur. C'est de faire de ces enfants-là des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Afin qu'eux aussi, à leur tour, qu'ils aillent aussi gagner leurs amis à Christ. Alléluia. Mais pour faire ces enfants-là des disciples, nous devons travailler aussi en partenariat avec vous, les parents. Alléluia. Les moniteurs et les parents sont des véritables partenaires. Alléluia. Mais par moments, on est abandonné. Alors, chers parents, j'aimerais nous encourager, parce que je suis parent aussi, à travailler en partenariat avec les moniteurs pour pouvoir atteindre cette vision. Alléluia. Parce que nous avons une vision à l'école du dimanche ou à vase d'honneur pour ses enfants. Nous voulons faire des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas juste nous contenter seulement dimanche après dimanche de simplement les enseigner. Mais vous voyez toutes ces stratégies. Les enfants, on les fait répéter. Ils apprennent au groupe musical. Mais par moments, quand on demande aux enfants de venir, il y a certains parents qui disent non. Vous voyez, parce que il n'y a pas encore de partenariat. Donc, chers parents, vous qui êtes là, il faut travailler en partenariat avec les enfants pour pouvoir atteindre les objectifs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le
le livre de Proverbes, Proverbes 22, verset 6, qui nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous sommes en train d'instruire les enfants. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a beaucoup d'enfants que nous avons encadrés à l'école du dimanche. Et aujourd'hui, qui sont restés attachés au Seigneur. Et il y a un caméraman qui... Voilà, vous voyez le caméraman qui passe depuis... C'est le plus produit de l'école du dimanche, Mathieu. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous ai dit, ce n'est pas une prédication, c'est pour nous encourager. C'est le plus produit de l'école du dimanche. Quand les enfants sont encadrés, quand les enfants sont vraiment instruits dans la parole de Dieu, les enfants peuvent être des meilleurs agents de Dieu. Et ils peuvent être des véritables évangélistes pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne les voyons pas simplement comme des enfants. Parce que des fois, les parents, on pense que nous, les enfants, moi, je me mets dedans parce que quand je suis avec eux, je me sens bien. Les enfants ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Il faut libérer ces potentiels pour qu'ils puissent servir le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Alors, nous, à Vase d'honneur, on a une vision pour les enfants. Donc, main dans la main avec les parents et les moniteurs, on va pouvoir atteindre les objectifs de Dieu. Et ces enfants-là, demain, ils seront des véritables pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, Mohamed Sanogo doublement. Alléluia! Alléluia! Alors, chers parents, nous voulons simplement vous encourager parce que vous êtes les premiers moniteurs des enfants, parce que les enfants sont avec vous pratiquement tous les jours. Les moniteurs n'ont que le dimanche pour les enfants sont avec eux que 2 heures le dimanche, mais pratiquement tous les jours vous êtes avec les enfants. Alors il faut travailler en partenariat avec les moniteurs pour que l'objectif de Dieu soit atteint. Alléluia. Alléluia. Parce que les enfants ont beaucoup de potentiel. Les enfants, ils ont beaucoup d'énergie. Et avec cette énergie, ils peuvent servir le Seigneur s'ils sont bien encadrés dans la maison du Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible nous le dit, hein, dans le livre de Proverbes 22, verset 6, il dit instruit. Il faut donner les instructions. Si on n'a pas donné instructions, l'enfant, il est là, il ne sait pas quoi faire. Et à l'école du dimanche, nous sommes en train de les instruire pour que lorsqu'ils vont grandir, ils puissent rester attachés au Seigneur. Voici le caméraman, c'est mon fils. Et je bénis le Seigneur parce que tous les enfants que nous avons encadrés à l'école du dimanche qui ont grandi, c'est des véritables potentiels dans la maison du Seigneur. Il y en a beaucoup comme ça ici. Il y a plein qui sont dans les églises vases d'honneur et ils servent le Seigneur. Pourquoi ils servent le Seigneur? Parce que nous les avons instruits avec la parole de Dieu. Et la Bible dit, instruis. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand on les instruit, ils vont rester attachés au Seigneur. Ils vont servir Dieu. Le talent, plein de talents qu'on a vu ici, vous allez voir, ils vont se déployer. Et vraiment, Dieu sera glorifié. Parce que si on ne les instruit pas, le monde va les instruire. Alléluia. Chers parents, il faut instruire nos enfants. Il faut instruire nos enfants. Il faut relayer l'information parce que les moniteurs font le travail. Donc, les parents que nous sommes amenés à relayer dimanche après dimanche ce que les moniteurs donnent à l'école de dimanche. Quand les enfants viennent, il faut en semaine, il faut faire une révision. Alléluia. Chers parents, qui sont les parents qui font ça ici? Je vous ai dit, ce n'est pas une prédication. Qui sont les parents qui font ça ici? Il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est vous qui êtes le véritable moniteur de vos enfants. Alléluia. Alléluia. Donc, chers parents, il faut travailler en partenariat avec les moniteurs pour pouvoir atteindre les objectifs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de finir.
Alors, quand on fait les enfants des disciples ou quand on a une vision, quand on a une vision pour les enfants, ces enfants-là restent dans cette vision. Aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons remettre les diplômes de passation. Alléluia à ces enfants. Et ces enfants iront à Bloom. Alléluia. Ils vont continuer dans ce dans quoi nous avons enseigné. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Nous avons enseigné la parole de Dieu. Et quand ils vont aller encore à Bloom, leur potentiel, c'est-à-dire la préparation que nous avons faite, ils vont aller continuer ce travail à Bloom. Alors, chers parents, il faut travailler en partenariat. Parce qu'à l'école du dimanche, par moments, nous, les moniteurs, on se sent seul. On se sent seul parce que quand on invite les parents, des fois, à certains événements, les parents ne répondent pas. Mais si on ne répond pas, comment est-ce qu'on va être efficace dans le travail que nous sommes en train d'accomplir pour le royaume du Seigneur à travers ces disciples que nous sommes en train d'encadrer? Alors, chers parents, vous êtes nos partenaires. Alléluia! Vous êtes nos partenaires, il faut répondre. Le travail vous revient. Et les moniteurs sont là pour vous accompagner. Alléluia! Parce que la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » C'est les enfants qui sont avec vous, dimanche après dimanche, pratiquement tous les jours. Donc, c'est nous, en tant que parents, qui devons instruire les enfants. Et les moniteurs, en plus, nous aident dans ce travail que nous sommes en train de faire. Si nous voulons véritablement faire de ces enfants des disciples, nous avons besoin de travailler en partenariat avec ces enfants. Alléluia. Et pour finir, le premier passage que nous avons lu dans le livre de Proverbe 29, le verset 18, il dit quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alléluia. Alléluia. Vous ne répondez pas, hein? Vous ne m'encouragez même pas. Ou bien vous n'êtes pas intéressé à ce que je dis, ce que je suis en train de dire là. Vous n'êtes pas intéressé. Donc, on a une vision pour les enfants. Et cette vision-là, on veut faire des enfants des disciples de Jésus-Christ à face d'honneur. Alléluia. Et c'est une vision, la vision, vous voyez, notre père, le pasteur Mohamed, il a une grande vision pour les enfants. Alléluia. Mais cette vision-là, on a besoin que vous nous accompagniez en tant que parents. Aujourd'hui, on est content de voir toutes ces prestations et tout ça, mais il y a un travail qui a été fait. Et on veut que ce travail continue. Alléluia. Hier, quand j'ai demandé à un enfant, j'ai demandé aux impétrants, il y a un qui m'a dit, je lui ai demandé, vous êtes là depuis combien de temps? Il m'a répondu, Moni, je suis là depuis la NAT. Alléluia. Depuis la NAT, ça veut dire que depuis 5 ans, 4 ans, il a l'école le dimanche. Et aujourd'hui, il a 15 ans pratiquement et il va aller à Bloom. Vous voyez, il y a un travail qui a été fait. Donc, on a besoin que vous nous accompagniez dans cette vision pour que Dieu soit glorifié, pour que ces enfants-là deviennent des véritables élites pour le Seigneur. Amen. Parce que dehors est mauvais. On sait tout ce qui se passe dehors. Mais si on a une vision de former ces enfants, de les encadrer, parce que quand il y a l'encadrement, ouais, les enfants ne peuvent pas vaciller parce qu'ils ont un objectif qui est tracé et c'est dans cet objectif-là qu'ils vont marcher. Alléluia. Donc, chers parents, c'est ce que je tenais à vous dire. Pour dire que nous sommes en partenariat avec l'école du dimanche. Et il faut encourager les moniteurs, il faut travailler, il faut de temps en temps passer à l'école du dimanche. Amen. Il faut passer à l'école du dimanche. Quand on vous invite, s'il vous plaît, répondez. Nous, on ne veut pas les nounous, on veut voir les parents. Alléluia. Parce que ce n'est pas les parents, ce n'est pas les nounous qui vont instruire. Alléluia. C'est nous les parents qui instruisons les enfants. Donc, quand on vous convoque, s'il vous plaît, répondez pour qu'on puisse atteindre l'objectif de Dieu. Amen. Parce qu'on a une vision. On veut faire de ces enfants-là des disciples. Et comme on a des stratégies, ces stratégies-là, les nounous ne peuvent pas nous donner. Amen.
les stratégies. Nous, on veut vous communiquer pour que vous nous aidiez dans ce travail que nous sommes en train d'accomplir. Alors que Dieu vraiment nous bénisse tous, que Dieu bénisse les parents qui ont répondu, que Dieu bénisse tous les enfants ici. Est-ce que les enfants peuvent s'acclamer? Alléluia. Les enfants, je vous aime. Je vous aime sincèrement parce que vous avez transformé ma vie. Quand il dit transformer ma vie dans le caractère, alléluia, parce qu'avec les enfants, on apprend beaucoup. Et les enfants, on apprend l'humilité. Moi, l'humilité, c'est à l'école du dimanche que j'ai appris. La simplicité, parce que les enfants sont simples. Alléluia. Alléluia. Les enfants, ils pardonnent facilement. Et ça fait que j'ai appris comment on peut pardonner facilement. Ça fait qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas de problème à pardonner. Je n'ai pas de problème. Pourquoi? Parce que eux, ils m'ont appris cela. Alléluia. Donc, les enfants, vous avez mon soutien. Je vous aime énormément. Je vous aime parce que vous avez, grâce à vous, le Seigneur a transformé ma vie, ma manière de vous voir. Parce que par moments, on a une autre manière de voir les enfants. Ah, les enfants, ils fatiguent. Les enfants, ils sont trop capricieux. Oh, ils crient trop, allez-y là-bas. Moi, je n'ai pas de problème avec les cris des enfants. Je n'ai pas de problème avec les caprices des enfants. Par la grâce de Dieu, j'arrive à les comprendre et à les aider à passer par les moments de crise. J'arrive à les aider et ils arrivent à s'en sortir dans ces moments de crise. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse les parents, que Dieu bénisse les moniteurs, que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse la Respo Bodo. Alléluia. Est-ce qu'elle peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur pour la vie de Moni Bodo? Alléluia. Pourquoi je veux qu'on puisse vraiment bénir Dieu pour sa vie? J'ai fait plus de 20 ans, je crois 22 ans dans ce ministère. J'étais responsable. Quand je devais faire la passation, beaucoup de moniteurs, non, on ne peut pas. Ton onction là, nous, on ne peut pas. Il y a beaucoup qui m'ont dit ça. Mais elle acceptait de porter ce fardeau, de travailler dans la vision du pasteur Mohamed Sanogo. Et c'est pourquoi on doit bénir Dieu pour sa vie, parce que la vision est large. Et elle acceptait de porter cette vision. Et on est en train de partir quelque part. Voyons tout ce qui est en train de passer ici. Elle voit qu'elle a véritablement épousé la vision. Et vraiment, ça me touche énormément. Que Dieu vous bénisse, chers parents. J'en ai fini. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. J'ai remarqué que plusieurs parents ne connaissent pas nos noms, le nom de nos sections. Et très souvent, quand on leur demande, papa, l'enfant est dans quelle section? Ah, je ne sais pas. Hein. C'est quel sûr, il a 5 ans. Maman, l'enfant est dans quelle section? J'ai oublié, il y a tellement de sections. Donc aujourd'hui, là, on va vous aider à retenir le nom de nos sections. Donc quand je dis le nom d'une section, les enfants, on acclame comme ça, on fait un bravo. Chaque fois que je vais dire le nom d'une section, les enfants vont faire un bravo pour que les parents là, retiennent aujourd'hui. Là. Dimanche prochain, on vous attend. Comme ça, les parents vont retenir le nom de nos différentes sections. Est-ce que les vainqueurs sont là? Est-ce que les vainqueurs peuvent faire un bravo? Amen. Est-ce que les conquérants sont là? Les conquérants. Est-ce que les champions, ce sont mes préférés, les champions. Est-ce que les champions sont là? Est-ce que les héros de la foi sont là? C'est pas nombreux, hein? Est-ce que ceux qui ont été mis à part, sélectionnés spécialement par le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que les héros sont là? Les élites, pardon, sont là?
avec cet exercice-là. Maintenant, très chers parents, vous connaissez le nom de nos différentes sections et qu'on n'aura plus à vous poser beaucoup de questions. Alléluia! On n'a pas encore fini avec les prestations. Donc, on vous laisse admirer les prochains. J'appelle ici maintenant les héros 2 pour leur prestation. Combat par Jésus, mon héros. Jésus, mon héros. Mon héros, mon héros.
De 13 ans jusqu'à 15 ans. À 15 ans, ils vont faire élite, qui est une passerelle de quelques mois, le temps de se former avant de rejoindre le ministère des jeunes. Donc, ce seront les prochains. L'année prochaine, on va faire leur graduation. Et c'est une hymne qu'ils ont eux-mêmes écrit, les deux chants qu'ils ont chantés, qui est écrit par les enfants, préparé par eux. On acclame le Seigneur pour eux. Amen. Nous sommes des héros. Et donc, sans transition, nous allons procéder à la remise de diplôme. Amen. Et donc nous allons appeler la première section de l'école du dimanche. Nos sections sont en deux niveaux. Donc quand vous entendez la section vainqueur, en réalité à l'école du dimanche nous avons quatre sections: vainqueur, conquérant, champion et héros. Voilà. Et à la section vainqueur, on a les vainqueurs 1 qui vont des 3 ans jusqu'aux 5 ans CP1. Et à partir de 6 ans et du CP2, on a les vainqueurs 2. Donc ceux-là, ce sont les vainqueurs 2, c'est ça, qui vont passer bientôt à conquérant 1. Voilà, donc on va accueillir la responsable de la section, Moni Nongo Grasse, sous vos acclamations. En même temps, Moni, on aimerait bien que les enfants se mettent en ligne en même temps. Et on va accueillir le pasteur Kwa Blondine pour leur remise, la remise de leur diplôme. Venez, ils sont entre, Moni, ils ont fait l'âge, ils ont 5 ans. Ils ont 5 ans et 6 ans et puis ils sont réclassés. Et ils sont au CP1. Thank you.
Sila Johan Elise. Yomwe Wini. Bonzou Kwasi Emenio Joachim. Flatonji Fef Mila. Sofana Mohamed Nathan. Koï Marlène Anaël. Blessing. Ouattara Sié sur à l'école Samuel. Céline Mindy Chana. Non, Kofi Shaili Blessing. Kofi Shaili Blessing. Céline Mindy Chana. Voici James Olivier. Voici bonheur. Quadio Bema Raz. Thank you.
Bonnie Kwao Elie Samuel. Esther. Nous allons appeler les pasteurs, les responsables de la responsable de section aussi, pour la photo de groupe. Pasteur Zena. Si on a d'autres pasteurs aussi dans la salle, vous pouvez vous joindre dans la photo. La responsable de la section. Les monitrices de la section. Venez, c'est votre jour de gloire, venez. Merci pour tout l'encadrement. Les photographes. Toutes les monies de conquérants, de vainqueurs, vainqueurs 1, vainqueurs 2, s'il y a des monitrices, venez pour la photo. Madame Coco, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Madame Coco Marie-Laure, qui est la responsable de la section Conquérant 2? Nous rappelons que les enfants de Conquérant 2 ont quel âge? 7, 8 ans. Ils ont 7 et 8 ans. Voilà, et ceux qui s'en vont aujourd'hui ont 9 ans et ils vont regagner la section Champion 1, c'est cela? D'accord. Donc, Monique Coco, est-ce que tu peux commencer à appeler? Shalom, chers parents. Bonjour, les enfants. Les enfants, si vous entendez votre nom, vous avancez. Bogra Ama Esther Chanel. Pardon, j'ai oublié d'appeler. On va appeler Pasteur Tena pour remettre leur diplôme. Bogra Ama Esther Chanel. Thank you.
Et toutes les monitrices et les moniteurs des sections concurrents 1 et concurrents 2. Nous profitons pour rappeler aux parents que la cérémonie n'est pas terminée, les parents des tout-petits. Nous attendons encore nos élites, ceux qui vont passer à Bloom. Donc, c'est pas encore terminé, il y a encore plein de surprises. Donc, nous vous demandons de rester sur place encore pour la suite de la cérémonie, s'il vous plaît. Aussi, les photographes et les caméramans me chargent de vous dire de ne pas bloquer les photos, les caméras. De ne pas fermer les appareils. Champion 2, Madame Bonzou Sandrine, est-ce qu'elle est là? Madame Bonzou, tu peux te rapprocher. Est-ce qu'il y a d'autres moniteurs des sections champions pour les aider? Donne-moi. Pour les aider. Ok.
Donc nous rappelons que la classe champion est composée de champions et champions 2. Et pour cette graduation, c'est champions 2 qui vont bientôt rejoindre la classe héros 1 chez moi. Donc nous sommes heureux de les accueillir. Les champions 2 qui passent aujourd'hui ont 11 ans, en 10 ans, 11 ans. Ceux qui passent aujourd'hui. Et c'est à partir de 12 ans qu'ils passent pour venir nous rejoindre à la classe héros 1. D'accord, donc on va en profiter pour appeler le pasteur. Madame Bodo, reste-moi. Donc on va appeler le pasteur Peggy pour la remise de diplôme. C'est le ministre, c'est notre ministre au niveau de notre département, le ministre de la famille. Donc est-ce qu'on peut avoir des acclamations au Seigneur pour sa vie? Pasteur. Monoko Aaron. Thank you.
Noah. Fama Aïma. Flaconji Magnificat. Moi et Ruth. Quatio Amzoé. Quatio, Quatio Mienti. Quasi Ava. Lord Marvin, les CI Keren. Elisheva. Ngeta Mungai Nuria Shalom. Voici Kwaku Salomon. Thank you.
Sessou Morena. Les pasteurs, les moniteurs de la section champion 1 et champion 2. Tous les moniteurs des sections champion 1 et champion 2. Pour la photo, rassemblez-vous, pasteur Peggy, pour la photo. Les moniteurs des sections champion 1 et champion 2. Oui, pasteur. Les responsables d'école du dimanche. Thank you.
avons le clou de notre cérémonie. Ceux qui nous ont réellement convoqués ce matin. Mais juste avant de les recevoir, nous allons rapidement recevoir le coach Moïse du département de la jeunesse, le département Bloom. Nous acclamons le Seigneur pour coach Moïse, pour pasteur Moïse. Mais ici, c'est coach. Alléluia! Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Waouh! Dis à ton voisin, dis à ta voisine, c'est un grand jour! Voilà! Dis à quelqu'un à côté de toi, si tu as porté du verre, c'est que tu vas passer à Bloom. Alléluia! Amen. Donc j'ai la responsabilité de vous présenter le... On ne sait plus si on a dit ministère ou bien si on a dit département. Pasteur Mohamed avait tranché en disant département ministériel. Mais aux dernières nouvelles, quand on a rencontré Pasteur Marcelo et qu'il présentait Bloom, il a employé pour la première fois le mot ministère. Il a dit le ministère Bloom. Et il a dit c'est un ministère. Il a fait c'est un ministère. Et tu vas comprendre pourquoi c'est un ministère et pourquoi c'est une belle vision que notre père, le pasteur Mohamed, a eue à travers ce programme de Bloom. C'est vraiment pour répondre à un besoin. Le besoin, c'était lequel? C'est que il constatait que de plus en plus de jeunes ne se retrouvaient pas forcément à Ecodim et ne se retrouvaient pas également au niveau de l'église des grands, donc au niveau de Kodesh. Donc il y avait comme une phase, une période tampon dans laquelle nos jeunes passaient et on n'arrivait pas à cerner leurs besoins. Alors en priant, la vision qu'il avait eue, c'était la vision de Bloom. Donc ce département, on va dire, à la base, qui allait pouvoir combler ces attentes-là au niveau de la jeunesse. Il faut comprendre que la tranche d'âge qui est prévue pour Bloom, c'est la tranche d'âge, on dit intervalle ouvert, de 14 à 21 ans. Intervalle ouvert, pourquoi? Parce que dans la description du besoin, on a pu comprendre qu'il y a des jeunes qui étaient plus précoces que les autres et qu'il y a de jeunes adultes également qui se sentaient encore trop jeunes pour se considérer comme des adultes. Donc l'intervalle a été ouvert pour dire que on n'est pas figé sur les âges, sur les années, sur l'état civil, pour dire que quelqu'un peut faire partie de Bloom ou pas. Mais c'est un état d'esprit, c'est une aspiration, c'est un besoin, c'est un désir. Et donc nous avons commencé depuis quelques années maintenant, depuis 2018. Et nous sommes aujourd'hui en 2023, donc ça fait à peu près 5 ans que Bloom a commencé ses activités. Et le bilan que nous avons jusque-là est un bilan très encourageant. Très encourageant. Alléluia. De quelque chose qui ressemblait simplement à un département, nous sommes arrivés à investir les salles de cinéma de Côte d'Ivoire à travers le Majestic, classées au même rang dans un premier temps que les séries africaines et déclassées ensuite, surclassées pour être classées dans les séries, dans les films internationaux au même titre que les Marvel. Il fallait payer 5000 francs le ticket pour pouvoir voir un film réalisé par Bloom. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et cela a été fait par des Bloomers, les acteurs, les équipes de montage. On a pris des techniciens professionnels, bien sûr, mais tout a été réalisé par Bloom. Alléluia. Et c'est pour décrire simplement un pan de la vision dans laquelle on s'en va. Donc, Bloom est un ministère qui est ouvert sur l'extérieur. Donc, ce que vos jeunes vont faire maintenant, c'est non seulement ils vont venir recevoir de la nourriture, recevoir des enseignements, mais
mais ils seront également préparés pour aller impacter, pour aller influencer. Amen. Donc, on passe à un autre niveau. On ne vient plus simplement recevoir, mais ils seront beaucoup sollicités pour donner. Donner dans leurs environnements, donner dans leurs écoles, donner dans les milieux où ils se trouvent, dans leur quartier même, et dans leur famille également. Et pour ce faire, on est structuré en plusieurs départements. Donc, vous voyez, à l'intérieur du département, il y a des départements. C'est pour ça que c'est passé à autre chose. Et tous vos jeunes qui vont nous rejoindre aujourd'hui vont rejoindre un de ces départements-là. Et c'est dans ça qu'ils auront à opérer. Donc, je vais commencer par le premier département qu'on a, c'est le département de Bloom Praise, pour tout ce qui est louange, pour tout ce qui est adoration. Ensuite, on a le département de la Trap Church. C'est aussi de la louange, mais version jeune, avec du rap. Et c'est ça qui a donné naissance aux Bloom Trappers, que vous connaissez certainement également, qui ont sorti plusieurs albums et qui sont disponibles sur YouTube et qui sont connus également à travers le monde, qui sont sollicités également sur le territoire et même au-delà. On a également le département de la décoration classique. On a le département de la Sainte-Seine, parce que oui, on prend la Sainte-Seine au niveau de Bloom. On a le département des portiers et des protocoles, ça existe. On a le département de la sono, le département de la communication, pour tout ce qui est média, pour tout ce qui est communication à l'intérieur de Bloom, pour tout ce qui est média sur Internet. On a également le département de l'intercession. On a le département des OJ, c'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie à Jésus, oui à Jésus. Donc le département qui s'occupe de tous ceux qui donnent leur vie à Jésus au cours de nos différents programmes. Parce que tous nos programmes sont portés sur l'évangélisation. Même pendant nos temps de culte, il y a toujours un appel qui est lancé. Et on a toujours des personnes, par la grâce de Dieu, qui donnent leur vie à Jésus. On a également un département ADN, Amis des Nouveaux, qui va se charger d'accueillir tous les nouveaux et d'en faire des amis. On a également le département de la gestion des cultes, comme on l'a à Kodesh. On a également un grand département. On a le département du MRS. Alléluia. Et dans le MRS, ce n'est pas les pasteurs qui sont là-bas. C'est vos jeunes là. C'est eux qui sont là-bas. Quelqu'un me dira, oui, mais ne sont-ils pas trop jeunes? La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le Saint-Esprit qui opère en eux est trop jeune pour opérer en eux? Si le Saint-Esprit a le même âge en eux, c'est qu'ils sont capables de faire des choses grandes. Et je vous assure, il y a des écoles où on ne peut pas pénétrer, on ne peut pas rentrer, mais il y a des délivrances qui s'opèrent dans des écoles. Il y a des directeurs d'école qui abandonnent des bloomers dans des salles qui fuient carrément. Quand ils voient les manifestations des démons, ils vont chercher des bloomers pour venir prier pour les cas. S'ils ne savaient pas faire ça, les personnes auraient été laissées pour compte. Amen. Donc, ils sont formés, ils sont entraînés, ils sont coachés pour pouvoir rentrer pleinement dans ce département. Et je vais aller rapidement sur les autres. Donc, on a également le département de la logistique. On a le département de l'intégration. On a le département des dirigeants, parce qu'il y a des directions, exactement comme ça se fait ici à Kodesh. On a le département de la traduction, parce que oui, nous avons des cultes bilingues et ce sont des bloomers qui font la traduction en anglais, du français. Et je vous assure, c'est excellent, rien à envier. Et nous bénissons Dieu pour ces talents-là que nous découvrons nous-mêmes et qui nous surprennent. On a également le département de Bloom International. Beaucoup des bloomers vont commencer, peut-être qu'ils passeront que 2 ans à Bloom et ils partiront continuer leurs études à l'étranger. Donc Bloom International s'occupe de tous ces bloomers qui ont transité par Bloom et qui continuent leurs études à l'étranger. Parce que vous savez, il y a d'énormes challenges au niveau de l'étranger. Nos enfants ne sont pas toujours préparés à vivre seuls. Ils ne sont pas toujours préparés à affronter l'Occident, l'Europe ou même des pays africains dans lesquels ils iront poursuivre leurs études. Donc le département Bloom International rassemble tous ces jeunes-là. Ils ont des réunions en ligne, par Zoom. Ils ont des évangélisations ensemble. Ils sont regroupés par pays. Et nous sommes dans beaucoup de pays. Nous sommes jusqu'à Cuba. On a des bloomers à Cuba. On a des bloomers en Turquie. On a des bloomers à Istanbul. Partout où vous pouvez imaginer, dans beaucoup d'endroits, nous avons des bloomers. En Chine, partout. Et à côté de ça, l'action de Bloom International va aussi impacter d'autres jeunes qui ne sont pas passés par la Côte d'Ivoire, mais qui découvrent Bloom et qui veulent rejoindre Bloom en ligne.
À côté des départements, c'était le dernier, nous avons des ateliers. Et parmi les ateliers que nous avons l'atelier bande dessinée pour réaliser, pour la production et la réalisation d'ouvrages de bande dessinée, même des mangas. On a également l'atelier cinéma qui a été l'un des acteurs principaux pour pouvoir produire le film Soirée de Wow. On a l'atelier dress code pour s'occuper de la tenue des dress codes vestimentaires de chaque mois. Et enfin, on a l'atelier danse qui est aujourd'hui en train d'avoir un gros impact. Si vous avez vu les derniers clips de Morija, c'est des danseurs. Si vous avez été au concert de Dena Moana le vendredi dernier, je crois, je ne sais plus quand, c'était des danseurs de Bloom qui sont allés danser avec Dena Moana. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Voilà, donc ça c'est tout ce que vos jeunes savent faire. À côté de ça, bien sûr, on n'en fait pas des serviteurs, des servants de Dieu uniquement. On s'occupe également de leurs études. Il y a un atelier que je n'ai pas mentionné, mais qui est l'atelier des grands frères. Donc il y a un coaching pour les études avec des devanciers, des personnes qui ont passé le bac et tout, qui vont coacher les jeunes et les encourager surtout à être excellents au niveau également des études, au niveau comportemental, au niveau social, au niveau de la relation avec les parents. Donc c'est tout cela que nous faisons à Bloom. Et vos enfants qui vont passer dans cette catégorie-là vont rejoindre cette grande armée. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur pour ce département. Et nous sommes tellement heureux de pouvoir leur confier ces enfants que nous avons encadrés jusqu'ici. Rapidement, au niveau du parking, la Nissan grise immatriculée 3147 LE01 est demandée urgemment. Il y a un camion qui doit sortir. La BMW 2359 LR01 couleur bleue est aussi demandée. Je répète rapidement, la BMW couleur bleue 2359 LR01 et la Nissan grise immatriculée 3147 LE01. Les conducteurs sont demandés rapidement au niveau du parking pour pouvoir faire sortir les camions qui les attendent. Donc sans transition, nous allons recevoir ceux principalement pour qui nous sommes là, la section élite. Je cherche Regina du regard. Ok. C'est bon? D'accord. Donc, sous vos acclamations, nous allons les recevoir, nos impétrants. Ils sont tout beaux, ils sont bien vêtus. Thank you.
En elle demeure sa parole. Elle n'est plus esclave du mal. Il est célèbre pour sa gloire. Il est créé à son image pour dominer, régner, c'est l'élite du roi des rois. Il est célèbre pour sa gloire. Il est créé à son image pour dominer, régner, c'est l'élite du roi des rois. Oh, 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 élite noire ta génération. Chers parents, chers invités, les enfants de la section élite du département enfants d'honneur du Centre Kodesh, par ma voix, vous transmettent nos sincères salutations. L'événement que nous célébrons aujourd'hui tire son origine dans la coutume juive. En effet, à l'âge de 12 ans, le jeune hébreu était admis par les adultes dans le temple. C'est une étape très capitale dans la vie spirituelle du jeune hébreu. Et l'exemple le plus vivant est celui de Jésus que nous décrit la Bible. Le docteur Luc nous signifie qu'à l'âge de 12 ans, Jésus est admis dans le temple et étonne même les docteurs à cause du dépôt de la parole de Dieu qui était en lui. Luc 2, versets 46 à 47. Le département enfants d'honneur accueille les enfants dès l'âge de 3 ans. Ils ne seront admis au ministère Vloom qu'à l'âge de 14 ans afin de vivre une adolescence épanouie en Christ et impacter leur génération au travers du caractère de Christ que nous manifestons. Chers moniteurs et monitrices, nous tenons à vous dire merci pour tout le travail abattu afin de nous montrer le chemin. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, un nouveau chapitre s'ouvre pour nous, celui de l'adolescence, de la maturité, de la responsabilité. Les moniteurs nous ont préparés à passer cette étape en nous aidant à rester fidèles au Seigneur Jésus et à demeurer dans ses voies, dans les bons comme les mauvais moments. Mais sans l'aide de nos parents et de l'Église en général, il serait difficile d'y parvenir. Aussi, voudrions-nous, chers parents, attirer votre attention sur trois qualités qui se complètent et s'équilibrent que vous devez manifester à notre égard. Il s'agit de l'amour, de l'indulgence et de la tendresse. Une autorité exercée sans amour est difficilement comprise. L'amour bannit la crainte. Un adolescent qui se sent aimé pour ce qu'il est, saura avoir confiance et se laisser conduire, diriger et conseiller. Alors, sachez, chers parents, que nous comptons énormément sur votre soutien et votre amour afin de devenir de jeunes adultes épanouis. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et nous allons appeler la section Héros 2, rapidement avec leur porte-parole. On acclame le Seigneur pour les héros 2. C'est la section d'où vient l'élite.
pour leur passation de flambeau. Venez. Et on va appeler aussi pour la passation de flambeau la représentante de la section élite. On acclame le Seigneur pour lui donner du courage. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous passer le symbole. Les adolescents. Vous n'avez rien entendu. On reprend. Reprends. On est là pour toi. Vas-y. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous passer le flambeau. Nous avons beaucoup appris lors de nos années passées à l'école du dimanche. Les prédications nous ont offert des... que nous sommes là pour vous. On acclame le Seigneur. Groupe musical, joyeux Nathalie de Souvienne. Bonne nuit. Merci. Voilà. Excusez-moi. Ils ont veillé toute la nuit, donc comprenez. Vas-y. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous remettre ce flambeau symbolique. Nous avons beaucoup appris pendant ces années passées à l'école du dimanche. Les enseignements reçus nous ont fourni des rudiments afin de croître dans le Seigneur et de demeurer dans ses voies. C'est un travail difficile et de longue haleine que font nos moniteurs et monitrices avec la gloire de Dieu. Chers moniteurs et monitrices, que Dieu vous bénisse. Nous vous remettons ce flambeau, signe de persévérance et de fidélité en Jésus-Christ. Que Dieu vous accompagne dans votre intégration au département Bloom. Nous vous promettons d'être sages, de respecter les moniteurs et d'être des modèles pour nos petits frères. Merci. Voici le flambeau que les héros d'eux ont reçu. Et nous avons entendu votre promesse. Vous pouvez rester pour la photo. Restez pour la photo, les héros 2. Restez pour prendre une photo rapidement. Rapidement. Vous nous avez promis d'être sages, d'être de véritables modèles et de dignement les représenter. Donc nous attendons. C'est bon? Ok. On acclame le Seigneur pour nos héros 2 qui ont reçu le flambeau. Nous allons appeler le pasteur Peggy maintenant. C'est un moment hautement solennel, hautement spirituel aussi. Amen. Les futurs bloomers, ça va? Vous êtes prêts? À relever les défis. C'est là vous êtes dans la zone, pas la zone à risque, mais c'est la zone la plus intéressante. C'est là qu'on forge son caractère, sa personnalité. C'est là qu'on va commencer à se forger une identité. Le fait que vous rentiez à Bloom, ça va vous aider à forger la bonne identité. Amen. Et ma prière, c'est que vous soyez des flambeaux pour votre génération. Hein? Que ce matin-là, vous receviez un feu. Un vrai feu avec lequel vous allez embraser vos amis,
Vous allez embraser votre maison, vos familles. D'accord? Donc je vais prier le Seigneur. On va tous lever les mains. Et je voudrais aussi que dans l'assistance, on puisse tenir les mains vers eux. On peut tous tendre les mains et prophétiser et les bénir. Que vraiment ce passage soit une autre étape dans leur vie spirituelle en termes de croissance, d'amitié avec le Seigneur Jésus, de communion avec le Saint-Esprit. Ensemble, élevons nos voix et prions. Merci Jésus pour ta grâce. Merci au toi notre Seigneur, au toi notre Roi. Seigneur, dans ta grâce, que ta main soit sur chacun de tes enfants, Seigneur. Que ta main soit là pour les garder, pour les protéger, pour les remplir de toi, de manière à ce qu'ils aient une intimité réelle, une intimité profonde avec toi, Seigneur. Qu'ils puissent croître, ô Jésus, dans la connaissance de ton nom, dans la connaissance des Écritures. Qu'ils puissent croître, Seigneur, dans leur vie de prière. Qu'ils passent encore plus de temps avec le Seigneur et que tu les remplisses de ton esprit, que tu les remplisses de ta sagesse, que tu les remplisses de ton intelligence. Merci, ô toi, notre Père, toi, notre Seigneur, parce que tu agis dans leur cœur, 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 et tu développes, Seigneur, un tout nouveau témoignage, un tout nouveau témoignage, témoignage d'affermissement, témoignage en termes de caractère, témoignage, Seigneur, en termes d'obéissance et de modèle, Seigneur, pour leur génération. Merci au toi, notre Père, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Que chacun reçoive maintenant, reçoit la grâce de Dieu, 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 reçoit, reçoit, reçoit la grâce de ton Seigneur, reçoit la grâce de ton Seigneur, reçoit la grâce de ton Seigneur, reçoit, 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 reçoit la grâce de ton Seigneur, reçoit la grâce de ton Seigneur, reçoit, reçoit, reçoit. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Reçois, reçois, reçois la grâce de ton Dieu. Reçois, reçois, reçois. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Rempli de sagesse, rempli d'intelligence, la réussite dans tes études. Reçois, reçois la grâce de ton Seigneur, la protection divine contre toute forme de maladie, la protection de ton Seigneur. Sois rempli, reçois, reçois la grâce de ton Dieu maintenant. Reçois-la, 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 reçois, 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 reçois. Merci Seigneur. Sarabaham takaraba handaraba idi selebele bedele hidina aidi santa karaba hamdala utin idena ma aidi santa rebedele ma aidi santa karaba hamdala idi tsaindede. Reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de ton Seigneur, reçois la grâce de ton Seigneur et sois à son service, sois à son service, sois à son service, sois à son service, sois à son service. Reçois, prends la grâce de Dieu, prends la grâce de Dieu, prends la grâce de ton Seigneur. Farabaham da karaba idi serebedele idi sandaraba idi sandaraba idi sandaraba idi Lord. Le Seigneur a plani ton chemin, il a plani tes voies. Là où les choses semblaient compliquées, je vois comme de nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir. La provision, la grâce de Dieu dans ta famille. Reçois la grâce de Dieu dans ta famille. Pour ceux qui sont dans des familles compliquées, vous allez voir un renouvellement de la grâce. Je vois de la réconciliation dans certaines familles, je vois de la réconciliation, de la réconciliation. Il y a certains parmi vous qui prient pour que leurs parents se réconcilient. Aujourd'hui, je vais annoncer à certaines personnes, souviens-toi de cette parole, à compter de ce jour, tu vas avoir un vrai plan de restauration dans ta famille. Un vrai plan de restauration. Il y aura une réunification parce que ton Dieu a entendu tes prières. Le Seigneur a entendu tes prières. Merci au toi, notre Père, merci au toi, Jésus. En ton nom précieux, nous avons ainsi prié. Amen. Bon, c'est pas un vrai baptême, hein, c'est symbolique. Mais je dois d'abord lire le nom de la promotion. Hey, vous avez choisi un grand nom, hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la promotion Éveil des élites?
Bon, tournez-vous vers moi, un peu, je vais vous baptiser, enfin, pas vous baptiser, mais baptiser la promotion. Hein? On regarde ici, allez, on regarde vers le pasteur. Soyez bénis, soyez bénis. On regarde vers le pasteur. La promotion des élites. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'accord, vous pouvez vous tourner maintenant, que Dieu vous bénisse. Et nous vous présentons. Et rendez-vous à Bloom. Seigneur, pour la promotion éveil des élites. Et nous croyons que par eux, plusieurs élites sortiront de nos rangs. Le groupe de louanges, que peut nous donner un chant en attendant? On aura le temps de faire une bonne louange et de bien danser tout à l'heure. Et je crois que c'est le moment que vous attendez tous. Et on va appeler la responsable de l'école du dimanche pour la remise des diplômes, ainsi que le responsable de la section Héros 2 Élite, Bruno Norbert, il est là. Voilà, pour la remise des diplômes des élites. On demande aux plus petits de s'asseoir et d'acclamer le Seigneur pour la remise des diplômes. Et nous voulons rappeler que demain, pour le premier culte, à 7h30, les élites, bon, les nouveaux bloomers, voilà, la promotion éveil des talents, devra se présenter à leur nouveau département, leur nouveau ministère. Demain, 7h30. Ok, donc sans transition, nous allons commencer par la remise. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous? Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Alléluia. Ce matin, je suis animé d'un sentiment très mitigé, à la fois rempli de joie, rempli de bonheur, parce que
nous avons vu ces enfants progresser. Aujourd'hui, nous avons vu des enfants loyaux, des enfants fidèles au Seigneur, des enfants qui se sont attachés à Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes rassurés de les voir partir. C'est vrai? Comme un père qui voit sa fille peut-être quitter la maison, on a un petit sentiment, un petit grain de tristesse. Mais on est rassuré parce que nous savons qu'à Bloom, vous serez dans de bonnes mains. Alléluia. Et je voudrais, sous vos ovations, recevoir maintenant Grobly Iria pour la réception de son diplôme. Clame le Seigneur. Iria, c'est le bébé maison. Oni et Saint à Bénin, Sarah. Nous recevons maintenant Vianou Sharon. Esaï Anadja Mac. Amessan Nissi Rapaela. Kwaku Allegra Marie. Nous recevons Étienne Ketia Grasse Ivana. Yobu Désiré. Encouragez les chers parents, s'il vous plaît. Ayemou Tipani Ariel. Akou Marie Loïs. Ako Marie Yoram. Pugnon Marilyn. Sous vos encouragements, s'il vous plaît. Kwaku Siesa Zoé Pinel. Yao Marie Ange Emmanuela. Nous recevons Traoué Nassira Marie. Naounou David. Nous recevons Gessin Jean-Marc. Annie Baéré Eliel Emmanuel. Mais les parents, on n'entend plus les acclamations. Encouragez-les, s'il vous plaît. Bende Amine Jean-Emmanuel. Nous allons appeler l'un des doigts. Apolami David. Thank you.
crois que celle qu'on va appeler maintenant fait partie des enfants qui ont commencé à l'école de dimanche sur la natte et qui sont restés avec nous jusqu'aujourd'hui. Et sous vos ovations, je voudrais, au nom de Akpa Sephora, qu'on reçoit maintenant, je voudrais qu'on acclame tous les enfants parmi eux qui ont été avec nous depuis l'âge de 3 ans et qui sont restés fidèles jusqu'aujourd'hui. Que Dieu les bénisse abondamment. Moni, est-ce que tu peux nous citer rapidement quelques noms de ceux qui ont commencé depuis la NAT, depuis l'hôtel communal jusqu'aujourd'hui? Moni, il me semble même qu'ils sont les derniers enfants qui sortent en fait de l'école de dimanche. Voilà. Ils ont démarré à 3 ans avec nous. Parmi eux, je peux citer... Ako Yoram. Apolabi. Apolabi. Daniel. Kiria. Pinel. Romli Kiria. Coralie. Vraiment, c'est la dernière génération. Exactement. Nassira, exactement. Voilà. Ouais, Degré Yoram. Bérénice. Ce sont des enfants qu'on a eu depuis l'âge de 3 ans jusqu'aujourd'hui. Ça se nourrit, c'est pas je dis pas. Amen. Donc, vous allez brandir vos diplômes, les enfants. Brandissez vos diplômes, rassemblez-vous pour la photo. On va appeler le pasteur Tena, pasteur Peggy. Et pour la prière finale, on va appeler tous les moniteurs de Héros 1, de Héros 2. C'est le produit de tous vos efforts. Donc tous les moniteurs, depuis Conquérant, Héros 1, Héros 2, Champion, toutes les monies qui sont dans la salle, on va appeler Coach Moïse. Donc, on a oublié Tiffany, comment est-ce qu'on a osé? Les monies de vainqueur, de héros 1, de héros 2, de champion, toutes les monies, les moniteurs, les monitrices, venez rapidement pour la photo. Nous rappelons que nos nouveaux bloomers sont attendus demain au premier culte à 7h30 et aussi au début du deuxième culte à 10h pour les présenter lors des cultes bloom. Est-ce que tous les moniteurs sont là pour la photo? Je ne vois pas Esther. C'est toi que j'attends. Est-ce que tout le monde est là? Ok. Donc on va se placer pour la photo. Est-ce que tu peux y aller? Baissez un peu les diplômes, ne mettez pas tout vos visages. C'est bon. Oh! Amen. On va accueillir ma sainte Anna pour la prière finale. Et nous rappelons que les sections Héros 1, Champion 2 ont agapé demain. Donc Héros 2, Champion 1, Champion 2 et puis Héros 1. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter à vous tenir debout. On va tous se tenir debout. Et nous allons encore acclamer le Seigneur pour cette belle cérémonie que nous venons de vivre ensemble. Pour nos enfants qui font un pas de plus dans leur croissance et surtout dans leur croissance spirituelle. Amen. Amen. Nous allons ensemble fermer les yeux. Je vais prier. Père de grâce, nous voulons te dire encore merci pour cette magnifique journée que tu nous as offerte. Merci d'avoir rendu possible, Seigneur, ces différentes passations d'une section à une autre. Mais surtout pour tous nos héros 2 qui passent maintenant, qui sont passés élites et qui rentrent notre Dieu dans la sphère des bloomers, cet environnement, Seigneur, qu'ils ne connaissent peut-être pas suffisamment bien. Mais nous savons qu'avec toi, éternel notre Dieu, ils seront sel et lumière pour ce monde. Et tu feras de notre Dieu, Seigneur, des instruments puissants pour répandre la bonne odeur de Christ. Merci de les bénir, notre Dieu. Merci d'équiper également leurs parents et leurs moniteurs afin que, Seigneur, notre Dieu, cette nouvelle vie qui s'offre à eux, Seigneur, soit une véritable bénédiction. Nous te disons merci pour la suite du temps. Merci de nous raccompagner chacun chez soi.
et pour les cultes de demain qui seront également bénis en toi. Que toute la gloire te revienne pour ce travail extraordinaire qui est fait par les moniteurs. Merci de régner davantage dans leur vie afin de produire, Seigneur, des fruits qui élèveront toujours ton nom. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous disons ensemble amen. Amen. Nous tenons à dire merci à tous les pasteurs, à tous les parents qui sont là depuis 9h, 8h30. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon retour parmi vous, chez vous. Je bénirai.